Pour promis, chose due, aujourd'hui je vous fais un œil charbonneux violet avec la collection de Nivea, Creative Eyes. Je vous dis pas le nom de la couleur parce que c'est plein de chiffres et donc vous n'arriverez jamais à tout retenir. Donc pour ce faire, il vous faut un crayon kohl noir, la palette de Nivea, un mascara, et puis c'est tout. Oui, je fais l'œil charbonneux, je fais pas tout le reste. Donc, on commence évidemment avec le crayon kohl. Qu'est-ce que je fais avec mon crayon kohl? Et bien je fais la base de mon charbonneux. C'est-à-dire que sur toute la paupière mobile, je colle du noir. Alors vous voyez, je fais ça un peu à l'arrache, c'est absolument pas des traits précis, mais c'est pas grave. Puisque, hop, avec le WAD, vous dégradez le truc. Donc c'est vraiment la base, et les gens disent, oui je me fais un charbonneux et tout, quand ils se mettent juste du fard à paupières noir. C'est faux, un charbonneux, n'importe quelle couleur de charbonneux, ça veut dire en vrai, un maquillage avec une base de crayon kohl sur la paupière mobile. Alors ça peut être du crayon kohl, ça peut être du fard gras, du... voilà. Et pas forcément noir, ça peut être du violet, du... C'est la base en fait. Le fait de faire une base avec une substance grasse, c'est ça le charbonneux. C'était la parenthèse vocabulaire du jour. Alors le plus important, c'est d'en mettre bien au ras des cils, puisque c'est là que ça doit être le plus intense. Après, le charbonneux, c'est tout con, c'est juste un système de couches. Vous allez mettre foncé, couleur moyenne, couleur claire. Voilà. C'est un millefeuille, c'est pas le truc le plus chaud à faire. Ensuite, moi j'en mets encore un peu en dessous. Idem pour faire une base. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre dans l'œil. Vous voyez, sur la muqueuse. C'est pas obligé, ça dépend. Si vraiment vous voulez un truc très intense, vous le faites. Si vous voulez rester un peu léger, le faites pas, ça sert à rien. C'est pas obligatoire. Vous ferez avec et sans, comme ça vous verrez. Donc je prends, alors contrairement à la dernière fois on est commencé par le blanc, là on va commencer par le plus foncé. Tac. Et là je tapote. Et je commence mon charbonneux violet. Pour changer un peu, toujours charbonneux noir. J'avais fait l'indigo qui était sympa. La violet, c'est cool quand même. Et le violet est une des couleurs tendance de la saison. Donc, vous êtes et original et tendance en même temps. Mais c'est pas merveilleux ça. Hop. Donc là, vous tapotez bien. L'important, c'est de tapoter pour bien intensifier le regard. L'estompage vient après. Donc ensuite, avec le même pinceau que je frotouille un peu pour pas que ça soit trop dégueu, je vais prendre le blanc que je mets direct sous le sourcil. Hop. Alors vous voyez, c'est du Nivea, et pourtant c'est intense, et pourtant ça travaille plutôt bien. Donc, si vous êtes sectaire et vous pensez qu'il n'y a que les grandes marques qui peuvent vous faire du bon maquillage, et bien j'avais un peu tout faux. Chez Nivea aussi, c'est sympa. Ensuite, hop, pinceau peintre, couleur du milieu. Et donc comme vous avez compris que c'était des couches claires, foncées, forcément au milieu, il y a la couleur moyenne. Donc là, c'est ce qui va unir l'ensemble et faire que l'œil charbonneux, on ne voit pas que c'est des couches. C'est des couches, vous le savez parce que vous l'avez fait, mais les gens vont pas pouvoir dire « Ah tiens, j'ai vu que tu avais mis du foncé, puis du clair par-dessus. » En même temps, si vous avez des discussions comme ça avec vos potes, changez de pote, hein. Et voilà. Eh, simplissime quand même, hein.
Le crayon, vous le mettez mal, vous en avez rien à foutre. Le foncé par-dessus le crayon, le clair et au milieu comme ça. Vous avez juste à suivre le creux de votre paupière. Limite, c'est comme du dessiner, c'est gagné, c'est hyper simple quoi. Oh, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Un masque, mon mascara pour finir en beauté. Hop, petite couche. Donc, normalement, vous êtes censé en mettre beaucoup puisque vous avez un regard intense et fatal. Bon, si c'est pour un charbonneux de jour, vous pouvez avoir la main légère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de règle absolue. Je trouve que mon dessous de l'œil est un peu bizarre. Je vais donc rajouter un peu de violet. Oui, je suis comme ça, moi. Vous voyez, quand ça ne me plaît pas, au bout du compte, je change d'avis. Je prends plus foncé et je refais le petit retour. Ah ben voilà. Ah ben voilà, tout de suite. Hein ? Alors, je vous avais dit que je vous ferais avec et sans crayon kohl. La muqueuse, souvenez-vous. Donc là, sans. Ok. Maintenant, j'en mets. Hop. Voilà. Avec et sans. Les deux sont bien. Hein, c'est bon. Après, c'est une question de goût. Donc, pour pas avoir l'air con, maintenant, je vais mettre les deux. Hein. Je vais en mettre sur les deux, pardon. Voilà. Bon, là, c'est plus soir, c'est plus intense. Donc, c'était l'œil charbonneux violet avec la collection de Nivea. Pour les lèvres, moi, je resterais plutôt nue et je mettrais juste un petit baume à lèvres pour pas faire « Wouhou, je suis une grosse pute, je suis une grosse pute !» Et voilà, restez simple. Et maintenant, à vous de jouer.